C'est jusqu'au 9 mars que se poursuit donc cette 17e édition du Festival international de la danse contemporaine ici à Marrakech. Donc le festival en marche, et aujourd'hui on a eu l'occasion de voir des danseurs marocains exceptionnels ici à l'Institut français donc de Marrakech. Une restitution réalisée par Bernardo Monté qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bernardo Monté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Peut-être un premier mot sur ces 3 semaines de travail avec ces artistes marocains. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette expérience avec ces danseurs marocains contemporains? D'abord, un très grand plaisir d'être ici pour la énième fois. Et je pense que la chose qu'on peut se dire aujourd'hui, c'est que la danse contemporaine au Maroc a tous les outils de développement, en tout cas artistique. Il lui manque que le côté économique, mais tout le fond, ce qui fait la structuration de la danse contemporaine, est tout à fait présent et peut être complètement porté par les artistes marocains. Ils n'ont plus besoin des autres, je dirais, si ce n'est pas pour l'échange, pour l'accueil, ça reste évidemment. Mais en termes de formation, je pense qu'on est en train de passer un cap, et l'ambition, je crois, aujourd'hui, c'est justement d'essayer d'installer une formation sur la durée au sein de NAFAS et En Marche. Alors, comment justement on travaille avec ces jeunes danseurs? On travaille des thèmes, et comme je vous le disais, on a entendu et dansé sur un boléro de Ravel. Comment justement ces jeunes accueillent ce genre de danse, de musique, cette contemporanéité, comment elle est accueillie? Ben, comme vous avez pu le constater, je pense avec beaucoup de facilité et de plaisir. Et je pense que c'est le fruit de tout le travail qui a été fait depuis 17 ans, le festival, et de l'équipe de Toufir et de sa compagnie, de son festival. Je pense que ce qui est en train de se passer, c'est l'ouverture à la fois naturelle, je dirais, des artistes marocains à ce qui arrive d'ailleurs, mais aussi leur pertinence dans les propositions qu'ils font, et aussi la manière qu'ils ont de gérer l'amitié, la solidarité qui est entre eux, qu'on peut voir aussi sur ce plateau. Il y a une vraie osmose qui est un peu la composante, je dirais, de la relation marocaine. Ils ont besoin de cette empathie, et et ça se voit sur le plateau, parce qu'ils ont cette facilité, je dirais, à mettre en relation et à se mettre en relation avec les autres. Bernardo Monté, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, et je rappelle que vous êtes chorégraphe, mais aussi un grand ami de ce festival, donc cette 17e édition du Festival international de la danse contemporaine qui se poursuit ici à Marrakech jusqu'au 9 mars.